4 décembre pour une mini vidéo, un mini podcast dans le cadre des Vlogmas, puisque je vous avais dit samedi que j'aimerais bien participer aux Vlogmas, mais je sais très bien que je n'aurai pas le temps de faire une vidéo tous les jours. Et en plus, je ne saurais pas quoi vous dire, je pense, tous les jours. Parce que bon, quand on travaille à côté, enfin, je ne sais pas comment vous organisez, mais je pense que moi, je sais d'avance que j'y arriverai pas. Donc, je vais essayer de participer au Vlogmas en faisant une petite vidéo, peut-être tous les 3 jours, tous les 2 jours, je ne sais pas. Je vais voir, en fait. Je ne me prends pas la tête. Je vais essayer d'en faire un maximum possible en ayant du contenu, bien sûr, parce que si c'est juste pour vous montrer ma tête, aucun intérêt. Donc voilà, aujourd'hui un petit quart d'heure avec vous. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne, du blog Nana et Chocolat, du compte Instagram Nana et Chocolat. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Patreon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, ici on parle tricot, couture, crochet principalement. Et puis, on échange beaucoup. Moi, j'aime bien vos commentaires pour avoir des avis sur les vidéos, sur ce que vous tricotez. Enfin, les échanges après les vidéos sont vraiment très sympas. Voilà. Et ben, on est parti. Alors, donc, on s'est... Normalement, vous avez eu ma vidéo samedi. Dans ce mini-vlog, je vais vous parler un peu de couture. Un petit peu de couture que j'avais faite pour le calendrier de l'Avent de mes fils. Je suis en train de faire des cadeaux aussi, donc une trousse que j'ai terminée, mon calendrier de l'Avent du thé, un petit peu de tricot avec un projet, pareil, c'est pour offrir, donc j'ai quasiment terminé, je suis vraiment à... Je pense que là, en un quart d'heure, je l'ai fini. Et puis le cal, je vous ai dit que je participais au cal de Sarah Shira pour tricoter un gnome. Donc si vous voulez des informations, vous pouvez aller sur ma page Ravelry. C'est Imagine Landscape, je crois. Et en fait, on est tout un groupe à tricoter au fur et à mesure des indices fournis par la designeuse. Un petit projet en tricot qui finira par donner un petit gnome. Un peu comme ceux que vous voyez là, sauf que ben là, ce sera du fait main. Et là, on tricote des pièces et on ne sait pas ce qu'on va avoir à la fin. Il fallait choisir 4 couleurs. Je vous les avais montrées samedi. Je peux vous les remontrer. Alors, oh ben je ne sais plus du coup. ça doit être ça. Bon, j'ai un doute parce qu'en fait j'ai 5 bobines de sortie. Mais si c'est celle-là, voilà. C'est. Voilà, c'était ça. Excusez-moi. Voilà, c'est. Moi j'avais choisi les 4 couleurs là. Je vous en ai parlé samedi. C'est toute la Jawol de Lang. Et bah, je trouvais que ça faisait Noël. Alors, je sais pas. C'est difficile quand on vous dit choisir C1, C2, C3, C4. La couleur 1, 2, 3, 4. Parce que bon, quand on sait pas quelle partie sera quelle couleur. Enfin, que voilà. C'est compliqué de choisir. Surtout que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas trop de vert. Je voulais mettre du vert pour que bah, ça fasse Noël, mais pas trop quand même. Donc bah, là, j'ai choisi au pif. Alors, on verra bien ce que ça donnera. Mais je pense que je vous parlerai du petit gnome à la fin de cette mini vidéo. Comme ça, si vous voulez pas être spoilé, que vous avez pas, que vous tricotez aussi et que vous n'avez pas encore tricoté les indices là, ben voilà, je vous dirai au moment où je vais en parler. Comme ça, vous pourrez couper la vidéo et ne pas vous spoiler. Donc, et ben c'est parti, on commence par la couture. Donc, je vous avais dit dans mes autres podcasts que je faisais un calendrier de l'Avent pour mes garçons. Donc ils ont une petite surprise ou une petite gourmandise tous les jours. Et la case d'hier, je leur ai offert 2 trousses, enfin une trousse chacun, que j'ai cousu, un modèle que j'avais cousu pour mon mari et que j'ai adoré, que je trouve vraiment qu'il se tient bien. Alors je vous montre, c'est la trousse fringante de Sacotin. Donc c'est un patron payant. Et je vous les avais montré, mais je vous avais pas montré terminé parce qu'en fait je tiens plus rien dans les mains. Je les ai customisés.
Donc voilà ce que ça donne. Celle-là pour le grand et celle-là pour le plus jeune. Donc moi en fait, alors sur ce patron de trousse, attends, je vous montre sur mon ordinateur. Hop. En fait, il est vraiment bien. Oh. Je sens que je vais faire que des bêtises. Hein. C'est lundi, mais je sors du travail là. Voilà. Hop. Alors moi j'ai fait le modèle là. Et je trouve super bien. Vous pouvez faire aussi le modèle avec les deux anses là qu'on tient comme ça. Mais bon, pour les garçons, moi, enfin, même pour moi, je préfère celle-là. Il y a plein de possibilités avec ce patron. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, normalement, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites poches extérieures là, zippées. Alors moi je les ai pas faites parce que sur celles que j'avais faites à mon mari l'année dernière, en fait il s'en sert pas, il se sert surtout des poches intérieures. Donc ah, c'est une trousse, elle est déjà bien costaud, enfin elle est bien grande. C'est une trousse avec une très large ouverture, c'est ce que j'aime bien. Et moi, en fait, j'ai mis deux poches intérieures. Vous voyez, il y en a une ici et une ici. J'ai même pas mis des poches zippées, en fait, parce que moi, dans les miennes de trousse, je m'embête jamais à fermer les fermetures éclair hein, à l'intérieur. Donc, j'ai mis deux poches. J'ai essayé d'assortir un peu les tissus parce que j'ai mis des tissus, ben, des chutes hein, que j'avais pour faire les poches. Là, c'est rigolo, c'est des petits homards. Je sais pas si vous les voyez, les petits homards. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a vraiment une bonne tenue parce qu'en fait, à l'intérieur, elle est terminée. Les finitions, juste ici, à l'intérieur, sur les côtés, c'est du biais en fait pour cacher les coutures. Et du coup, en fait, le biais. On met dedans là ici aux quatre angles, ça lui donne une bonne tenue en fait. C'est pour ça qu'elle se tient bien droite et que ben enfin celle de mon mari elle est impeccable, il s'en sert tout le temps, il a sa tondeuse dedans et elle est pas déformée, elle se tient toujours aussi bien droite. Alors ce que j'ai fait, je sais même pas si j'ai entoilé parce qu'en fait là, c'est du jean de récup et bah, c'est assez épais. Par contre, ce que j'ai fait, c'est entre la doublure et tissu extérieur, il y a du molleton. Comme ça, elle est assez rigide. Et puis j'aime bien le molleton. À la limite, je préfère même le molleton que le thermocollant parce que ça fait pas de plis. Parce qu'à force, le thermocollant, c'est vrai que bah, ça peut faire des petites marques. Il faut donner un petit coup de fer à repasser. Donc il y a cette anse là qui est super pratique. J'ai mis bon, normalement une petite tirette de chaque côté quand on l'ouvre et qu'on la ferme. Voilà. Et franchement, je la trouve trop chouette. Et alors ça là, donc moi j'ai la silhouette portrait. C'est une petite machine de découpe pour le flex. Alors le flex, c'est. Ben, je vous avais gardé un petit morceau pour vous montrer. Voilà. Le flex, en fait, c'est des feuilles que j'achète en format A4. C'est des feuilles plastifiées comme ça, un petit peu pailletées. Et en fait, ma machine, donc je choisis mon motif sur mon ordinateur. Avec le logiciel de la machine, voilà, je le rentre dessus. Et après, quand je la lance, elle va venir découper la forme que je lui ai demandée. Ensuite, on place ce flex, donc partie brillante, donc sur la trousse, comme ça. Une fois on a décollé, bien sûr, tout ce qui est en fait, une fois que la silhouette a découpé la forme, on vient décoller et on garde que bah, ce qui nous intéresse. Ensuite, on place donc cette feuille partie brillante vers le haut sur la trousse. On met une feuille de papier cuisson et c'est 8 minutes ou 10 minutes. Non, 8. Attendez, je dis des bêtises.
Non, non, c'est pas 8 minutes. Qu'est-ce que je dis? Ça, c'est pour le thermocollant. C'est le thermocollant qu'il faut rester 8 secondes à chaque endroit. Bon, ça doit être à peu près la même chose. Pourquoi 8 minutes? Parce que c'est pas si je fous si n'importe quoi. On met le papier cuisson, le fer à repasser. Oh, je dois rester 10 secondes. Après, j'enlève le papier cuisson. Donc la partie plastique, là, elle se décolle toute seule. Et après, en fait, il vous reste plus que le motif. C'est super pratique. Et alors, ces feuilles-là, parce que j'en ai utilisé, j'ai testé plusieurs sortes, plusieurs marques. Et en fait, moi, je les prends sur comptoir du Flex. Et elles sont de super bonne qualité parce que quand ça se décolle, enfin, la feuille est bien collée partout parce que j'ai déjà eu le cas où la feuille était trop fine et il y a des endroits où ça s'est déchiré. Après, une fois que c'est chauffé, déchiré, ah ben, c'est irrécupérable. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à les récupérer. Donc après, ben, le sac est foutu, hein. Ou alors, il faut recoller quelque chose dessus, mais c'est du bidouillage et j'aime pas trop. Donc voilà. Je leur ai customisé leur trousse. Donc je leur ai dit, les ranger pas tout de suite, je vais les montrer dans mon vlog demain. Donc là, je vais leur rendre leur bien. Comme ça, ils ont chacun la leur. Alors ça, c'est pour mon petit geek. Pareil, avec... c'était des jeans que mon mari portait plus. Pareil, j'ai mis les... Alors non, là, je lui ai mis un tissu Petit Pan. J'aime beaucoup aussi la marque Petit Pan. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont des tissus de très jolies couleurs et très originaux. Très graphiques souvent. Et bah, de l'autre côté, je lui ai mis aussi des petits homards. Parce que là, ici, on est au bord de la mer. Au bord de l'océan. Donc, c'est un petit clin d'œil. Et lui, c'est une petite manette de Xbox. Et c'est pareil, bon, il me restait plus que du flex blanc, mais je trouve que voilà, ça fait sympa. Donc c'est la trousse fragante de la marque que j'ai acheté sur le site Sacotan. Et bah, c'est des patrons très bien expliqués. C'est pas la première que je fais. Je leur avais déjà acheté aussi un patron de sac parce que sur le site, ils vendent énormément de patrons de sacs à main. Si je peux vous montrer. Oui. Ce que vous pouvez trouver, c'est des petits patrons téléchargeables et c'est très très bien expliqué. Voilà. Et je trouve que bah, la trousse là, elle est rapide à faire. Il ne faut pas énormément de fournitures. Bah, le plus compliqué, c'est la fermeture éclair. Enfin, après, vous allez dans n'importe quelle mercerie, il faut une fermeture éclair. Du tissu extérieur, du tissu intérieur, un petit peu de molleton pour que la trousse ait de la tenue. Et puis du coup, ben, les quatre petits morceaux de biais qu'on met à l'intérieur qui viennent cacher les coutures et en même temps donner du maintien à la trousse. Voilà, donc ça c'était la case d'hier des garçons. Hop. Ensuite, j'ai fait aussi une petite trousse. Bah, alors ça c'est un patron maison, c'est moi qui voilà, pour offrir à une personne de ma famille pour Noël. Bah, ça peut servir aussi bien de trousse pour moi. Alors moi j'en ai une comme ça dedans, je mets. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mon tricot chaussette, celui que je suis en train de faire là du livre de. Émilie Drouin, si je ne me trompe pas. Donc, je m'en suis servie comme trousse à tricot. Voilà, j'ai fait celle-ci avec petite poche à paillettes. Et puis là, j'ai mis un petit peu de Liberty Rose. Je trouvais que le rose et le vert, ça allait bien ensemble. Et à l'intérieur, c'est du tissu à étoiles. Donc celle-ci c'est pour offrir aussi, c'est un patron maison. J'ai entoilé le tissu là par contre parce que c'est du coton avec du thermocollant et j'ai aussi mis du molleton. Parce que moi j'aime bien que les trousses elles se tiennent bien. Qu'elles aient de la tenue, qu'elles soient un peu épaisses et que ben voilà, on peut les poser, hop, la remplir.
s'en servir comme ça, donc j'aime beaucoup. Puis bon, on peut mettre. Alors si vous en servez pour le tricot ou parce que j'en vends quelques-unes dans ma boutique Etsy. Bon là c'est un cadeau que je fais. Donc ça peut servir de trousse de toilette, mais ça peut servir comme je vous dis moi dedans, je mets mon tricot chaussette. Je trouve que c'est le bon format. Parce qu'on met facile. Facile deux pelotes, même trois. Et puis les aiguilles, et voilà. Et puis une petite feuille à 4 pliés en deux pour le patron, ça rentre aussi. Bon, là, c'est destiné à quelqu'un qui fait du crochet. Donc, elle va pouvoir mettre son petit ouvrage en cours dedans. Et puis voilà. Donc, ça, c'est presque fini. Bon, j'ai pas fini mes cadeaux de Noël. Là, il faudrait peut-être que je me dépêche. Je sais pas si vous faites un peu de cadeaux maison. Mais là, il commence à y avoir la pression. Parce que je me dis, il faut caser des moments un peu tricoter ou coudre dans la journée, en plus du travail, bah, comme tout le monde, hein, du ménage, du linge et des repas. Et bah, des fois, c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc ça, c'était pour la couture. Ensuite, pour ce qui est du tricot. Alors, donc mon gilet Annan est fini, mais il est toujours pas bloqué. Mais, je voulais vous montrer. Il va être bientôt fini, je pense. Ah, bah non, qu'est-ce que j'ai. Allez, là. J'avais fait une commande chez Rascol. Parce que, bon, je ne voulais pas faire une commande juste pour des boutons. Et en fait, ben, il lui fallait 7 ou 8 boutons à ce gilet. Donc là j'ai commandé, j'avais besoin de fil et puis de biais pour mes sacs à mince, pour mes sacs à projet. Parce que quand je sur les sacs à projet de tricot, je mets une petite poche. Je vous montre celui. Alors celui-là, c'est à l'une d'entre vous, il est terminé. Je l'ai personnalisé comme elle m'a demandé. Mais je ne vous montre pas parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation. Donc je vous montre juste l'arrière. Et en fait, voilà. Sur chaque poche transparente en haut, je mets un billet pour finir proprement. Et là, chez Rascol, j'avais besoin. C'est pas grave, ça ira pas plus bas. J'avais besoin de fil. Bobine de blanc. Et j'ai pris du biais. Alors, moi j'aime bien le doré, j'aime bien ce qui brille. Alors là, sur vos sacs à projet, vous allez avoir du doré, irisé doré et irisé vieux rose. Je trouve qu'il est trop beau ce biais. Donc ça, c'est pour les futurs sacs à projet tricot que je vais faire. Enfin, que j'ai déjà découpé. Hein. J'ai passé des heures à découper le tissu l'autre jour et là bah, il n'y a plus qu'à coudre. Et donc bah tout ça pour dire que comme j'ai commandé chez Rascol parce qu'il me fallait du matériel, et bah, j'en ai profité pour choisir des boutons pour un gilet que je vais enfin pouvoir terminer. Et j'ai trouvé des petits boutons, alors c'était des 18 mm. Et j'ai trouvé des petits boutons, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Des petits boutons un petit peu. Alors, c'est un légèrement blanc bleuté, je dirais. Et je pense que on est pas mal pour la couleur. Ouais, je pense que c'est pas mal. J'ai eu du mal à choisir parce que c'est jamais évident de voir les couleurs sur l'ordinateur. Ouais, là, ça me paraît bien. Et du coup, voilà. Donc, il faut que je fasse les trous pour la boutonnière. Donc, ça va être bien compliqué. Et que je mette les boutons. Et ah, puis enfin pouvoir le porter. Ça, c'est presque bon. Ensuite, en tricot. La prochaine vidéo, je vous montrerai. Donc, je vous avais parlé du pull que je vais tricoter en binôme avec Angélique Knit. J'ai reçu la laine, enfin, elle est au relais colis. Je vais aller la chercher tout à l'heure. Comme ça, je vous la montrerai dans la semaine.
Et là, donc samedi, je vous ai dit que j'avais fait une commande chez Kalidou pour recommander du kit, du mohair kit silk pour finir ma Sophie Scarf. Alors, elle est quasiment terminée, il me reste quoi, 1 cm. Donc c'est cool parce que je vais l'offrir et puis bah, elle est chouette et puis j'aimerais bien m'en faire une plus tard. Hein. Parce que en fait, c'est très très doux. Mais, alors j'ai pris le détail de mon ancienne commande, les références de la laine. Et bon, je pense qu'il y a une histoire de bain, hein, mais c'est ma faute parce que j'ai cru qu'avec une pommette j'aurais assez. Il y a une petite différence de couleur. Mais bon, moi je trouve que ça donne un style et en fait j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Donc voilà. Hop, je pense que ça fera joli quand même. Ouais, elle est très douce. Et alors, les bords en I-cord là, bah, j'avais jamais fait d'I-cord, mais je trouve ça trop joli. Je trouve ça vraiment très beau. Donc là, hop, on voit, on change un peu de couleur. Mais bon, ça pourrait. C'est dommage, j'aurais dû le faire en dégradé. Mais comme j'avais vraiment plus de l'autre laine, bon, c'est pas gênant. Je trouve que ça fait un style. Moi, j'aime bien. Ce que vous en pensez, mais ça peut faire sympa. Ouais, moi j'aime bien. Hop. Donc la Sophie Scarf, c'est très sympa à tricoter, moi j'aime beaucoup. Et bah là, je suis quasiment à la fin puisque je suis presque à la pointe. Allez, ce soir, je la finis. C'est super, n'empêche de faire les vlogmas parce que comme vous allez suivre les avancées tricot et que j'ai pas envie de vous saouler avec tout le temps les mêmes choses, et ben n'empêche que ça me booste à avancer mes projets. Et puis bon, celui-là, de toute façon, j'ai pas le choix, j'aimerais bien l'envoyer avant Noël. Donc voilà. Donc c'est vraiment. Ben, donc c'est. Si vous voulez retrouver les références des laines que j'utilise et le patron, donc sur Ravelry, là, ben, je pense que tout le monde connaît la Sophie Scarf de Petite Knit. Donc moi j'ai bah du coup c'est ma deuxième pelote de mohair kit silk en drops mais je pense qu'il va m'en rester beaucoup du coup hein, parce que j'ai quasiment terminé. C'est peut-être parce que moi je m'en serais bien faite une mais j'aurais pas voulu cette couleur-là si... parce que ça va... j'aime beaucoup le rouge et ça va pas trop avec le rouge. Donc, mais c'est pas grave, je le trouverai bien dans quoi l'utiliser. Donc, voilà, Sophie Scarf, allez. Bon, la prochaine fois qu'on se voit, elle sera terminée. Fil rentré, tout et tout. Je vous montrerai ça. Ensuite, et ben, ce qu'on va faire, c'est parce que du coup, j'ai pas avancé mon 13KO comme je voulais absolument. Parce qu'en fait, j'ai fait un gros morceau quand même ce week-end, j'ai fait tout ça. Vous allez dire, non, c'est pas un grand morceau, mais pour moi, si, parce que moi, j'ai pas fait que tricoter. Qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre ce week-end? Bah, samedi, j'ai travaillé après l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je sais plus. Je sais plus. Donc j'ai pas avancé mon 13KO, j'aimerais bien vous l'avancer pour le prochain vlog. Et ben j'ai fait un petit peu le gnome là, puisque j'aimerais bien pas être trop en retard. Alors ce que je vais faire, et ben je vais vous montrer mon calendrier de l'avance que j'ai eu comme T. Et puis après, dès que j'ai fini de parler du calendrier de l'avant, je vous montre pour le Snow Matter What, donc le cal du petit gnome, comme ça si vous voulez pas spoiler, vous pouvez arrêter avant. Donc, je vous avais dit que j'avais eu ce calendrier de thé parce que j'adore le thé et j'en bois. Alors, à chaque fois, je pense à Ludivine Rose parce que j'en bois, mais des litres par jour. Et donc, mon fils m'a offert ce calendrier Cosmity. De l'avant et j'adore la boîte. Et le premier thé c'était à la bergamote fleur d'oranger. Ensuite j'ai eu une infusion à la pomme. C'était un rooibos à la pomme. Très bon.
Et hier, j'ai eu. Je vous ai gardé le petit emballage. Alors, c'est pas mon préféré, mais c'est bon. C'est un thé vert classique, moi, je trouve. C'est un thé vert au jasmin. Alors, je sais pas s'il fait le point. Voilà. Et aujourd'hui, je l'ouvre avec vous. Alors, la case 4, où est-ce qu'elle est? Par contre, on voit pas bien les numéros. La case de 4. Ah voilà, c'est sur le petit casse-noisette. Là, ici. Sur le casse-noisette. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ah, je connais celui-là. Prince Vladimir. C'est thé noir aromatisé, agrumes, vanille et épices. Impeccable. Celui-là, je vais me le boire tout à l'heure, là, dès que je vais couper la vidéo. Je vais aller finir de coudre vos sacs à projet pour essayer de les envoyer à la fin de la semaine et je vais faire un thé. Voilà, alors maintenant que je vous parle du gnome, donc ceux qui veulent arrêter là pour pas être spoilés, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle semaine et je pense qu'on se reverra bientôt. Prenez soin de vous. Alors, et nous donc, alors il y avait un indice samedi, je crois que c'était samedi le premier. Il y avait deux petites pièces à tricoter. Dimanche, alors c'était vendredi le premier. Oui, c'était vendredi, pardon. Vendredi, il y avait deux petites pièces à tricoter. Oui, c'est ça. Samedi, il y avait. Parce qu'il y a pas d'indices. Il y a des indices tous les jours, mais en fait, des fois, elle parle un peu de Noël et elle ne nous donne pas de pièces à tricoter, parce que bon, ça ferait trop pour un petit lutin. Et hier, il y avait un indice. Alors, je suis en retard d'une journée, il faut que je le fasse après, là, tout à l'heure, en rentrant de chez le médecin. L'indice d'hier, donc l'indice 3, je ne l'ai pas fait. J'ai fait l'indice 1. Du coup, il fallait. Alors, c'est en anglais. C'est quand même pas super évident parce que, heureusement qu'il y a le groupe sur Instagram parce que, même en faisant des copier-coller sur Google Trad, mais comme c'est du langage tricot, on va dire, des fois, c'est pas super bien traduit. Alors là, je savais pas s'il fallait couper le fil ou pas couper le fil. Enfin, donc voilà, j'ai pas coupé les fils pour l'instant. J'ai compris qu'il fallait rabattre souplement. Mais c'est tout. Donc j'ai compris qu'elle nous disait de faire le montage qu'on voulait. Moi, j'ai choisi le long tail cast on. Et du coup, ça m'a appris une technique parce qu'en fait, moi, je montais pas mes mailles comme ça. Et je les ai montées en long tail. Tay Caston, j'espère que je prononce bien, parce qu'elle, c'est ce qu'elle utilise. Alors, elle nous a dit de choisir ce qu'on voulait. Moi, du coup, je voulais apprendre une nouvelle technique, donc je suis allée sur YouTube et j'aime beaucoup les vidéos de Clo Tricot. Elle explique super bien. Et donc, du coup, j'ai appris à monter mes mailles comme ça. Apparemment, ça permet de monter des mailles souplement. En plus, moi qui ai tendance à serrer comme une acharnée. Et c'est bien pour les chaussettes aussi, ce qu'elle expliquait, pour monter, commencer des chaussettes par la tige sans trop serrer, d'utiliser ce montage-là. Donc maintenant, je sais le faire et je trouve que c'est pas mal. Alors, il y a cette petite pièce-là à tricoter. Je ne sais pas du tout à quoi ça va servir. Donc, c'est le mystère, c'est ce qui est bien dans ce petit cale. En fait, on tricote des pièces, mais on ne sait pas pourquoi. Donc du coup, la jaune, là, ça va être ma couleur... Oh, je sais même plus c'est quelle couleur. Je crois que c'est la couleur 1. Et ensuite, il fallait... Bon, là, c'est une petite pièce qui est finie aussi. Il faut juste que je rabatte les mailles. Voilà. Ça, je dois rabattre les mailles souplement aussi. Et voilà. Donc, on a ces deux petits morceaux-là. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ils servent. Bon, j'ai pas coupé les fils. Je ne sais pas s'il fallait le faire. Je vais essayer de... Voilà. Et apparemment, l'indice d'hier, c'est une plus grosse pièce à tricoter. J'ai vu vaguement sur le groupe, mais j'ai pas eu le temps qu'on parlait de rembourrage. Donc, voilà. Donc, ce soir et demain, je finis... objectif, finir la Sophie Scarf.
faire l'indice 3 du petit gnome. Et ah ben voilà, tous mes boutons sont par terre. Non, c'est pas vrai. Je vous dis que la semaine, elle commence. Bref. Et là, on doit se préparer pour aller chez le médecin. Avec mon plus jeune. Donc voilà, c'est bon. Je suis dans les temps. Donc, qu'est-ce que j'ai dit pour les objectifs? Ouais, voilà. Donc, quand je reviens, il faut que j'ai fini ces choses-là quand même. Et puis, j'aimerais bien avancer mon 13KO pour passer à autre chose. Surtout que je m'étais dit que s'il est bien, comme ça, un basique et que j'ai super faim, en ce moment, je l'aurais bien refait dans avec des laines de teinturière, avec ce que j'aimerais beaucoup, c'est le faire avec des laines de teinturière, ces laines un petit peu avec des speckles dedans et des petits brillants là, voilà. Mais bon, ça, ce sera pour après. Donc bah voilà, 31 minutes, je pense pas que les autres vidéos seront si longues, mais voilà, au moins je suis venue vous faire un petit coucou, je vous fais plein de bisous, passez une belle semaine. Je vous dis à très vite et puis prenez bien soin de vous. À bientôt.